Donc à la plage maintenant, avec ma tribu, ma tribu de chasseurs. Ah ouais, c'est comme ça. Donc salut à tous, et nous sommes sur Ancestors. Il va falloir qu'on apprenne à explorer un petit peu ce lieu. Je vais appeler justement ma petite tribu. Allez, voilà, tous avec moi. On va tous prendre des lances. Voilà. Et on va explorer. Alors, on a exploré un petit peu la plage. On sait que sur la plage, il y a des moules. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. C'est-à-dire, comment tu veux survivre si t'as pas des moules sur la plage? Bon, mon objectif est un objectif d'évolution. Je suis pas sûr qu'on puisse évoluer pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle me veut, la mouette, là? Là, je crois qu'on va juste explorer un petit peu. Je sais pas ce qu'on peut encore trouver comme paysage, maintenant. D'ailleurs, je sais pas où aller, c'est-à-dire... La plage, effectivement, je peux un peu la contourner. Oh, il y a ce côté là-bas. Et puis de ce côté, avec les loutres. Mais ils me suivent ou pas, là? Ah, mais ils me suivent... Attends, mais ils me suivent pas? D'accord, cette fois-ci, c'est bon. J'ai tous les petits points qui sont rattachés. Par contre, ils sont bien armés, donc ça, c'est nickel. J'ai pas besoin qu'ils me suivent pour qu'ils écoutent mes ordres. Si je suis à la base, ils font ce que je leur dis. Et d'ailleurs, il y a une petite lance par là, là. Donc ouais, on va explorer de ce côté. Je sais pas trop... Je sais pas trop ce que je dois faire ici, en fait. Peut-être qu'après, il y a d'autres environnements. Là, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai plus de mission qui me demande de trouver un tel endroit. Là, avant, c'était la savane. Juste avant, c'était la plage, justement. Et là, plus. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour les évolutions futures. Et me dire, je me dis que peut-être j'ai un peu trop exploré. Et que c'est un peu trop tôt pour être ici à ce stade, j'en sais rien. En tout cas, c'est agréable. Et ouais, je trouve l'endroit agréable. Alors donc, si je peux y rester, je le fais. Et je reste sur la plage parce que je trouve ça trop cool. Le décor est super sympa et c'est pas trop dangereux comme les putains de repères que j'ai trouvé là juste avant où il y avait des tigres de mort là qui m'attaquaient alors même que j'étais en train de dormir. Voilà, je veux dire, c'est un droit. On ne devrait pas attaquer quelqu'un quand il dort. Et je me faisais quand même attaquer lâchement. Et là, sur la plage, bah, c'est tranquille. Il y a des mouettes. Il y a des mouettes, il y a de l'eau juste à côté. Franchement, j'ai trouvé un petit repère, là. Bien nickel. Ah! Alors, hop. Ah, ça arrive parfois, ça. Hein. Allez, on repose ça. Oui, j'explore mon environnement. Je pose des fruits à côté de là où je les ai trouvés, et ça m'aide à me rassurer. Je pense que mon personnage a un toc. Je pense que c'est pas normal. On dirait Monk, pour se rassurer dans son environnement, il compte les poteaux, tu sais. Bah, c'est un peu ça. Je crois que mon singe est un toqué. Oh là, c'est quoi ça? C'est les loutres qui font des nids comme ça? C'est quoi cette chose là? Ah, il y a des loutres! En fait, ça va, les loutres? Si je les tiens à distance, j'ai l'impression qu'elles s'en foutent un peu de moi. Attends, on va tester justement. C'est des loutres? Mais elle a des bâtons plantés? Attends, mais il a gardé mes bâtons plantés de la dernière fois? Ah si, ça attaque bien, hein! Et hop! Dans le boule! Allez, vas-y! Allez, GG! Oh putain, il s'est pas laissé faire! Ouais, ça c'est bien, GG! Ah non, mais... Félicitations, en plus c'est un ancêtre, ils sont tous contents! Ok. On va respecter. Ah mais j'ai pas de cailloux pour ouvrir la loutre.
Donc voici, ça attaque un peu quand même, mais bon, elle est restée un petit moment. Petite baston de regard et tout, et c'est juste après qu'elle a décidé d'attaquer, donc je pense que bon, ça va, c'est pas les trucs les plus dangereux. Du granit, putain, mais avec du granit sur ces plages. C'est mal entretenu. Ah, attends, ça c'est intéressant. Ouais, mais voilà, c'est intéressant, mais... j'ai plus de... Je vais pas revenir en arrière pour chercher le cadavre de l'outre, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je me suis demandé pourquoi je gagnais 1 euro alors que... J'avais rien fait. Voilà, parfait. Au moins 5 fois un grattoir obsidienne, donc ça... Théoriquement, ça devrait... bien, c'est bon, là, hein. Ouais. Ça devrait pouvoir découper la chair. Mais là, il n'y a plus rien. Ah, il y a un petit îlot, là. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il faut évoluer là-dessus maintenant. C'est quoi ces machins là? Il y a des nids, je sais pas, des nids gigantesques sur... Sur les plages là. Et tout luisant, mon singe. Qu'est-ce que c'est? C'est des nids de mouettes? Que les loutres, ça pompe pas, hein. Mouture. Œufs de goéland dominicain. Ok. Ça, c'est cool, je peux les bouffer. Je sais que les goélands vont pas trop se révolter pour ça. J'ai toujours du mal, hein, dans ce qui est je changeais de main, etc. Bon, bah allez. On peut un peu nager, hein, quand même. Ça va même, bon, ouais, ça va même me faire un petit raccourci, ça, pour rentrer à la maison. J'en profiterai pour aller déchiqueter la petite loutre qui se trouve par là. Et pour l'instant, les œufs, je les digère pas trop. Hein. La falaise 0D. Mais je vais où? C'est vrai, c'est derrière maintenant, là, enfin... Je faisais plutôt un road trip. Un road trip avec des singes. Regarde, ils sont tous dans l'eau. Ils vont se noyer dans la cinématique, tu sais. Et donc, c'est bien, ça me donnait un but. J'avais un objectif. Mais là, maintenant... Là, je vais où? Je peux aller plus loin, maintenant. Enfin, c'est la plage, quoi. Je crois que le machin que j'ai buté, enfin que GG, membre de mon crew, a buté, il est par là. Hein. La logique, vous voudrez pas qu'on s'éloigne de la mer plutôt? Bah, ici c'est l'inverse. Non mais moi ça me va la plage, hein, la mer, tout ça. Oh putain, j'ai plus d'énergie. Bah, il faut que le petit cercle là se vide totalement pour mourir. Mais n'empêche, c'est une manœuvre un peu risquée. Non mais la plage, moi ça me va, hein, je trouve ça cool. C'est juste que j'aimerais qu'il y ait un truc après, tu vois. Puis j'imaginais quelque chose d'un peu différent. Je pensais qu'on allait... Qu'on allait pouvoir commencer la pêche, en fait. L'âge de la pêche, l'âge du poisson. Bon alors, il est là. Quoi cette chose? C'est un vieux tronc d'arbre. Et donc, bah je vais essayer d'aller de l'autre côté. Et puis si vraiment il n'y a rien, parce qu'on l'a vu de l'autre côté, il n'y a que dalle, il y a un cul-de-sac, ça voudrait dire qu'il faut que j'évolue un petit peu. Découper. J'essaierai d'évoluer, peut-être. Ah, ça marche! Non mais là, c'est pas de la découpe, mec. Ah, t'as fait un trou dedans. Bon, ok. Alors. Ah, bah attends.
Ce que je vais faire, c'est que pour les guys puissent se servir aussi. Hop. Oui, ils savent réagir en conséquence, c'est-à-dire quand je regarde pas forcément, ils arrivent à esquiver l'ennemi, à le contre-attaquer, ils arrivent à le faire fuir. Mais par contre, quand ils ont un bâton dans la mauvaise main, eh ben ils sont un peu fuckés pour se dire mais merde, mais j'aimerais saisir la nourriture, mais je peux pas, j'ai déjà quelque chose dans ma main. Voilà, donc. Donc oui, voilà. Faut y aller doucement avec eux. Bon allez, bouffez. Ils ont l'air fatigués là. Ouais, je sais. La viande, c'est pas top hein, pour l'instant. Je la digère pas des masses. Là, il a l'air de la manger même un peu lentement, genre. Voilà. Les gars. Ah bah c'est la part du lion, hein. Je sais qu'il y a beaucoup à manger sur une petite loutre. Ils y arrivent tous. Sauf lui là-bas au fond. Lui il a pas faim. Bon alors il y en a plus assez. Attends mais. Ah mais il y en a même plus assez pour eux. Ils sont arrivés et ils ont été tellement déçus. C'est bien les guys. Oh, on va essayer de trouver autre chose quand même pour qu'ils puissent bouffer. Eh là là-bas l'arche c'est mon repère donc vraiment on est pas loin quoi. Bon. Allez on se réveille. On va aller voir de l'autre côté. Du coup, ce qui se passe. Au moins, si je peux... je suis un peu déçu de découvrir des nouvelles choses. Et maturer des neurones, mais... même de ce côté, ça a pas l'air top. C'est-à-dire, les plages me permettent pas. Enfin, j'ai découvert la moule. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est des loutres! C'est des loutres, mais genre elles sont sur le dos. En mode loutre, quoi. Mais de loin, on dirait des vieilles algues qui sont en train de moisir, tu sais. Elles ont eu peur. Ça m'a tellement rappelé le mème, là. Oui, il y a un mème qui est comme ça. Enfin, une vidéo où. T'as un phoque qui est en train de se prélasser. Et t'as des gens qui passent à côté en bateau et. Ils veulent pas sentir les moules qui sont là, quoi. Genre, il a un mouvement un petit peu bizarre, il est un peu surpris. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Alors moi, j'irais plutôt par là-bas. Ça a l'air de se continuer un petit moment, en tout cas, par là-bas, contrairement à l'autre côté, là. On verra ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? On sait jamais. Attends, est-ce que ça... Est-ce que ça me donne des neurones? D'ailleurs, les mecs... Attends, vous le portez dans laquelle main, vos bâtons? Ah, vous avez pas tous des bâtons? Il va falloir travailler ça. Bah, attends. Ouais. Allez. Allez, venez manger. Il a froid. Ouais, mais là, ici, sur la plage, je sais pas quel... quels sont les... la nourriture qui me protège pour le froid, quoi. Ah, mais ils ont l'air épuisés. Je sais pas pourquoi. Ils viennent de dormir. Ils viennent de dormir, ils viennent de manger, ils ont bu. Ok, on va continuer dans cette direction. Sous un climat qui rappelle un peu la Bretagne. Hein. On va découvrir les crêpes. Attends, alors. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est pas ton domaine la plage? Et vous croyez que je peux le chasser? Genre j'arrive derrière. Hop.
Tu t'allonges pas dans mon herbe! Le pauvre, il avait pas à chercher la merde. Il était tranquillement en train de se reposer. Il a reçu un coup de lance, il a pas compris. Ouais, bah je sais pas, je me disais que si j'arrivais à le surprendre, peut-être que je pourrais le tuer. En un coup, tu vois. Apparemment. Apparemment, non. Voilà, ça ne marche que pour les biquettes. Mais y a rien à découvrir, putain, ici. Il y en a encore un là-bas. Ouais, parce qu'on est revenu en fait sur le désert là. Et là, il y en a. Certainement, il y avoir des serpents gigantesques là aussi. Allez, va courir avec ton bâton là. Bah, il va devoir apprendre à vivre avec, hein. Ah, il y a peut-être un petit côté pratique à avoir un bâton encastré dans le boule. Je sais pas lequel, mais je pense qu'en creusant la question, on en trouve. Toujours rien à regarder de nouveau, en fait. Ouais, ça, tu connais. Ah, mais j'ai l'impression que ma plus grande découverte de la plage restera la moule. C'est pas ouf. Ça, c'est quoi, là? Mais attends, les algues, là, c'est quoi? Alors, tu connais pas, mais tu veux pas regarder. Attends, ah si, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Je pensais pas... Ah, c'est de l'algue? Oh mon dieu, j'ai trouvé autre chose que de la moule! Il y a de l'algue! Vas-y, c'est dégueulasse par contre, mec. Ah non, l'algue, j'ai essayé, en vrai, c'est vraiment pas bon. Allez, les mecs. Putain, mais toi, tu vas crever dans pas longtemps, en vrai. Ah, bah lui, il est vieux, mais bon. D'accord, donc on peut manger de l'ail. En fait, je pense qu'on se dirige vers du fail, hein. J'ai l'impression que... Soit je vais construire une nouvelle base là-bas, soit... Soit je vais revenir à ma super base où... Voilà, qu'on a vu, là. Mais je sais pas où aller ensuite, quoi. Alors, après la plage, y a plus rien. On fait quoi? On construit un bateau? L'évolution, je veux bien la tenter, mais seulement après... Non, voilà, on va aller là. Quoi, ça? Ouais, mais seulement après avoir passé de génération. Là, pour l'instant, je trouve ça un peu... Un peu juste. Même si j'ai appris beaucoup de choses, la chasse, tout ça et tout, je... Ça fait peu, ça fait relativement peu... Entre ma dernière évolution et celle d'avant, quoi. Alors qu'avant, j'avais traîné partout, j'avais découvert tellement de lieux et tout. Refuge de la dernière retraite. De la dernière retraite. Ah bah ça tombe bien, parce qu'ils sont un peu vieux, mes singes. Mais refuge de la dernière retraite, ça veut dire quoi?
Y'a plus rien après? Parce que s'il y a plus rien, je suis dans la merde! La dernière retraite océanique. Ça continue, mais c'est pas rassurant, disons! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé des proutes. Qu'est-ce que c'est, putain? Bah évidemment. Alors, hop. Voilà, je suis bien rassuré, j'ai bien dépioté cet arbre. Maintenant j'aimerais aller voir les machins là. Je connais pas, hein, j'ai jamais vu le machin qui libérait des gaz, moi. Bah, mes congénères peut-être, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est complètement injuste! J'ai même pas vu d'où il venait! What? Je suis agressé par un cormoran gigantesque, quoi. C'était quoi ce truc? Mais du coup, ces bébés, ils sont où? Il est tellement lent, lui, là. Ah, les bébés, ils sont là, par terre. Mais what? Mais c'était en pleine de signes névatiques de gloire! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ta merde, y'a que des vieux! Bah, vas-y, prends les enfants, hein, toi! Je vais pas jouer ce personnage, il est trop lent! Oh là là! Oh putain, mais tellement surpris! Bon, bah voilà, un truc que je connais pas! Ouais! Mais vous êtes tous en train de mourir! Juste, en plus, mais ils sont où en plus, ces oiseaux? Oh, soulevable? Ouais. Mais j'ai pas vu les trucs verts là tout à l'heure qui dégageaient une espèce de gaz? Ils sont où? Rien en fait. Et ouais, comme je le doutais, comme je m'en doutais, et comme je le redoutais, mais on va pas aller beaucoup plus loin ici. Avec mon singe qui est exténué. Bim! Ah mais le truc continue à voler quand même! Mais quel sultan de saleté! Alors ça c'est marrant, hein. Il a fallu que je vienne à cet endroit-là précis. Pour me faire attaquer par un pélican du Miocène. Parce que sinon, je les ai pas vus, eux. Ah, mais non, mais tout à l'heure, en vrai, c'est vraiment injuste. Le truc va vraiment attaquer. Alors que. Que je pouvais pas le voir, je voyais pas où il était. Bon. Bah, c'est un fail de découverte. Du coup, on va essayer de chercher de l'eau. On va rentrer au camp. Et puis j'essaierai l'évolution. Enfin, si j'arrive à rentrer au camp sans crever, en fait.
Allez les mecs, mangez un peu. Là c'est pas foufou hein. Ah ça va quand même beaucoup mieux, je vais plus vite. C'est bizarre mais je sais pas. J'ai fait manger pourtant, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que... Elle était en si piteux état quoi. Oh putain, j'ai entendu le truc arriver là. Allez là, bâtard. Allez. Et je lui ai fait un truc pour atterrir là. Deux bâtons bien plantés, tu sais. Ça va beaucoup l'aider. Bon bah allez hein, cassos. Je sais pas pourquoi, tous les membres de mon crew sont auréolés là. Et j'y avais pas tous crevé hein. Vous attendez que je rentre. Allez-y, allez les pupiou, mangez ça. Allez, regardez, le bon raisin. Oui, ça doit être bon, il y a de l'eau là-dedans. Non, prends pas mon raisin, toi, derrière. Allez, les bébés, on les nourrit pas, ça sert à rien. Bah, il me rattaquera plus, hein, le truc. Putain, fais chier. Ah, j'aurais bien voulu le buter, tu vois. Bah, pour avoir l'expérience. Il y a un repère, là. Eh, mais attends. C'est une grotte! Ouais, mais y a pas d'eau ici, c'est dommage. Ouais, tout est un peu asséché, dégueulasse. Mais là, y a quoi? Attends, mais c'est pas de l'eau, ça? Oh là là! Allez, pupu, vous allez être heureux. Et vous savez quoi? On va s'installer là. Ouais, j'ai pas envie de revenir là-bas, là, ça va être chiant. Ah, mais en plus, c'est bien, c'est une vraie grotte, quoi. Bon. Hop. Attends. Faut que je leur demande de mettre ça. Là. Voilà. Vous lâchez. C'est bon, ils ont tous lâché? Non, sauf ceux qui tiennent encore de la main... Main droite, donc hop. Voilà. Lâchez. Et il y en a encore un qui a... Mais... C'est qu'ils tiennent pas tous leurs bâtons de la même main, alors je peux pas leur indiquer, moi. Donne-moi ton bâton. Donne ton bâton. Il veut pas le donner, hein. Et toi, tu veux? Ah. Voilà. Bon, attends, on va faire autrement. Des fois, c'est un peu casse-couille qui se mettent comme ça, sur deux pattes. Ça dérange un peu le gameplay. Alors, voilà. Je lâche le bâton. Elle est dissidente. Elle est complètement dissidente. Alors elle veut pas écouter, hein. Elle veut pas donner son bâton. Bon bah t'es... Ok, très bien. Bah tu vas crever de soi toute seule comme une grande. Allez, on va boire. Ah... Allez, bois. Ah, j'ai trouvé l'endroit parfait, là. On est bien. Ouais, on va faire le petit nid ici. J'avais pas vu cet endroit juste avant. Il y a rien d'autre? Ouais, non. Des fois, ça aurait pu être une grotte un peu plus importante qui nous aurait mené vers un autre truc, mais là... Du coup, ouais, je vais regarder ce que je peux faire au niveau évolution. Ah, t'es dégoûté, hein? Ah ouais, t'as soif, hein? Je vais bien réussir. Redonne ton bâton. Tu es condamné à mourir parce que tu veux pas lâcher ton bâton, t'es une blague? Non, mais lâche-le, ton putain de bâton, t'es prêt à crever, là, en plus. Ah, bordel! Ah, puis je suis sûr qu'elle a rien bouffé aussi, hein, à cause de ça. C'est ce jeu, là, des fois. Mais bon, tu vas boire? Putain, elle va boire, mais alors, elle est là. Bon, regarde, les pandas qui disent...
C'est pas pour rien. Bah si, c'est pour rien. C'est barré avec mes bâtons. Bon. Hop. Voilà. Juste à côté de l'eau, là, comme ça. Oh, va être bien. Non, lâche. Ordonner. Voilà, démarrer la construction. Voilà, parfait. On s'installe ici. Puis, bah, je sais pas vers quoi va nous orienter le jeu. Alors, quand je vais changer de... Quand je vais évoluer, ça va forcément nous ramener à un autre endroit. Donc, voilà, c'est toujours ça. Là, ce que je vais faire, c'est je vais m'allonger, oui, et voilà, fixer des petits neurones. Ah, j'en ai pas des masses, hein. Le taux de réussite d'une attaque contre un animal irascible est amélioré. Ah, ça en a débloqué un autre, c'est cool. Le taux de réussite d'une altération à l'aide d'un outil est amélioré. Ouais, mais ça, j'ai pas trop de soucis, en fait, avec ça. Le taux de réussite d'une attaque est maximisé. Ouais. Ça débloque rien d'autre. Ok. Il y en avait un autre, non? Il n'y a pas autre chose qui s'est débloqué? Ah. D'identifier automatiquement les ressources de la même nature. D'accord. J'avais déjà ça pour Louis. Pour le... Source of Actif. Et maintenant j'ai ça pour... Pour, bah, comment dire... Le sens tout court, quoi. Bon, ça me paraît pas mal. Je crois qu'il n'y a plus rien. J'ai pas en avoir beaucoup à fixer. Et j'ai que 6 renforcements. Ouais, mais en fait, ça va le faire. J'en ai même trop. Ah, j'en ai même trop. Je sais pas, des fois ça m'en donne 12, des fois 6, je comprends pas. Alors, l'immunité contre les hémorragies dure plus longtemps. Le sens, voilà, ça c'est important, ça je le fais. Ça a beaucoup m'aider. Et du coup j'en ai plus que deux. Les objets restent toujours entre vos mains après l'esquive. Ça c'est bien aussi. Voilà, on va faire ça. Et du coup je peux passer de génération. Voilà, membres de clan mort. On les a mis en déco à la maison, c'est normal. Et il y a des mutations génétiques spontanées qui ont été révélées. Ça, c'est cool. C'est normal aussi. Bon, on va commencer par faire des bébés, bien sûr. Bon. Allez. Ah, là, je peux rien renforcer. On tente l'évolution. Il faut que ma lignée soit plus avancée que la science, hein, c'est mon objectif. Je crois que... je crois que j'atteindrai jamais. On voit que c'est là-bas, la ligne blanche, là, la science. Et moi, la rouge. Allez, bah oui, parce que là, je vois... Je sais pas, je vois plus trop quoi faire. Et j'ai découvert quand même pas mal de trucs. La chasse notamment, donc peut-être que ça va m'aider à évoluer. Mais pour l'instant, on voit que la science, elle avance avec moi, tu vois. Il
J'ai l'impression que la science me distance, hein. Je ne rattrape pas la science. Bon, bah j'espère que vous avez pris quelque chose à manger. Un petit mets délicat, un petit chocolat chaud pour regarder ça. Ça me ferait bien chocolat chaud, moi. Là, comme je suis malade, ça me ferait du bien. Là. On est encore dans la savane, hein. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais même pas commencé à chasser. Par contre, vers la chasse, je pense que là, il y aura une avancée importante. Moment chiant. Ah, j'arrive à être devant la science, là. Vous avez vu ça? Ah, je me rattrape. Ah, finalement, peut-être que j'ai été pessimiste. Peut-être que je vais pouvoir évoluer, hein. J'avais dit ça un jour, où je me suis dit, waouh, c'est vachement long quand même, j'ai gagné tellement de trucs, je vais forcément évoluer. Et au final, non. Donc, en fait, je m'attends à rien. Et là, j'ai toujours pas commencé à chasser, hein. Et la science n'est plus très loin. La science n'est plus très loin. Bon, faut pas qu'à la fin, le jeu me dise « Ah, pas mal !» Mais t'as des morts. Il explose mon temps. Tu gagnes plein de bonus, 7500 années. Oui, 5000 des fois, en a... bah, parce que je suis en avance sur mon temps. Ouais, bah écoute. Ça va, ça m'aide. Vous avez tué... Ah, ça y est, la chasse commence. Oh là, là, le truc, vous avez tué ça, vous avez tué ça, vous avez tué ça, vous avez tué ça. Voilà, là, ça a pas arrêté. Ah, mais je vais être largement en avance sur la science. Même si je réussis pas à évoluer. Mais je pense que là, je réussirai à évoluer quand même. Parce que j'en ai fait des... Une fois que j'ai compris qu'on pouvait chasser, j'en ai fait des trucs, hein. J'ai beaucoup chassé. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Ça y est, je suis en avance sur la science. Officiellement. Quoi? Mais j'ai fait bien plus de choses que ça, c'est quoi cette merde? Bon, je suis en avance sur la science, mais attends, y a pas les morts encore? Ah, 6 morts seulement? Bon, ça va. Ah, ça va pas. 38 d'essence, ça le fera pas. Oh si! Ah, je pensais pas. Putain, les morts, c'est punitif! Ah, j'ai évolué!
L'Arphidipicus ramidus. Hardy. C'est très bien, Hardy. Bon, c'est toujours des singes, hein, mais... Hardy. C'est Hardy. Bravo! C'est bien, j'ai rattrapé mon retard sur la science qui était énorme. Dû à mes premières parties un peu poussives où je comprenais pas le jeu. Merde, c'était quoi le truc dopamine là que j'ai pas vu? J'ai appuyé sur la touche. J'aime bien cette cinématique, genre on évolue, t'as vu? Ouais! Attention à l'évolution. Ah bah, les poils, on en a de moins en moins. Hein. Et bah voilà, c'est cool. Ah, je suis content, surpris aussi. Mais content. Je suppose, si ça se trouve, j'ai pris beaucoup d'avance sur la prochaine évolution d'ailleurs. Alors, et ça m'a amené à la plage. Moi, je fais quoi alors? Oh, Datas. Oh ben voilà, il est content, hein. Un nouveau singe qui se réveille. Plus de dopamine. Ah. D'accord, c'est pas une évolution hyper intéressante, mais... Bon, allez, on se retrouve dans le même refuge que j'avais trouvé. Disons, mec, c'est qu'on commence à voir les petites coucouilles qui dépassent. Ah, mais toi, debout. Ah, voilà, il perd des poils sur le torse. Le reste, bon, bah... Toujours pas. Voilà, le torse et les genoux. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait qu'à l'époque... La grande époque, on n'avait pas des... Les poils sur les genoux. Les petites boules, la petite boule. Et les femelles? Une femelle, toi? Alors pour l'instant, l'évolution... Je sais pas, en fait, si. Depuis le début, ça a quand même beaucoup changé. Parce que là, vous allez dire, ouais, c'est encore des singes, mais... Ah, ils ont quand même pas mal évolué. Bon. Et ben, je suis content, on va pouvoir s'arrêter là. J'ai que des mâles. Je cherche mon nid, en fait. Mais attends, mais non, c'est pas exactement le même... Le même endroit où où je m'étais réfugié en fait. Non non non. Non non non. Ok. C'est vrai que si je reviens maintenant, là où il y avait le goéland, je le retrouve toujours avec ses bâtons. Genre, putain, ça fait 60 ans que je vous attends. Ok, alors attendez. Hop, bah, il va se faire un nid. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de nid de base. Et puis la prochaine fois, bah on... Bah alors... On explorera un peu ça, ouais. Ah, je voulais pas porter. Pendant un moment j'ai cru que... Ah mais attends, c'est pas là? Ah mais attends... Hey, boys, venez avec moi. Je crois qu'en fait on est bien ici, il y a l'eau qui est plus proche, non? Ouais, l'eau elle est là, il me semble. Ouais, bon bah finalement, boys, je vais rester là. Ouais, bon, on va s'installer là. J'avais pas vu qu'il y avait une grotte ici. Enfin, j'avais exploré bien que le petit coin là-bas me plaisait, hein. Bon, faut pas craindre les courants d'air, mais sinon ça allait. J'ai perdu mes feuilles. Ah, je les ai jetées comme un sac. On reste sur la plage qui me plaît bien, encore une fois, même si la plage est pas... Alors peut-être que ça va évoluer, peut-être que ça évolue avec les années, et qu'il y a des...
des voies qui s'ouvrent. Ça se trouve, tu peux pas tout explorer quand t'as pas assez évolué, ce qui me semblerait logique. Et donc peut-être que maintenant la plage deviendra un peu plus intéressante. Parce que là, ouais, c'était pas grand chose la plage. Pas beaucoup de découvertes finalement. Bon, allez, non mais arrête que... Voilà. Du coup, on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine fois sur mon aventure avec les singes. Terminé l'exposition, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir, et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon Utip, le lien est en description. Merci, et à bientôt pour d'autres vidéos.